Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à jouer et à chanter quatre chansons de Michel Legrand, le compositeur français, vous savez, les Parapluies de Cherbourg, les Sœurs Jumelles, tout ça. Des très belles chansons. Ce qui est amusant, c'est qu'il y aura beaucoup d'accords. Dans une chanson de Michel Legrand, il y a plus d'accords que dans toutes les autres chansons sur ma chaîne, réunies. Et là, il y en a quatre d'un coup. Donc, si vous aimez les accords, avec plein de noms différents, vous avez de la chance, il y a plein d'accords ici. On va faire Les Moulins de mon cœur, c'est articulé, c'est important, qui sonne comme ça. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Voilà, ça c'est très joli. Il y a aussi le cake d'amour. C'est ma préférée parce qu'elle est rigolote et aussi c'est très pratique pour la cuisine. C'est quoi les paroles au début? Je sais plus. Préparez votre pâte dans une jatte plate. Et ensuite on verra le reste de la chanson. Et aussi, évidemment, une chanson qui sonne comme ça. Oui, je t'aime, mais c'est quand même vachement très triste. Bon, en fait, je vous explique, hein, parce que j'ai plein de papiers là, mais je peux pas avoir toutes les paroles sous les yeux, là, c'est le début du tutoriel. Donc ça, on verra après. Et aussi les sœurs jumelles, dans le film Les Demoiselles de Rochefort. Nous sommes les sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol ré do. Donc on va commencer avec Les Moulins de mon cœur. Juste avant de commencer, vous pouvez télécharger, si vous avez envie, le document avec toutes les paroles et tous les accords des quatre chansons. Et ça, c'est dans la description de la vidéo. Et si vous allez chercher ce document, et ben moi, ça m'aidera à faire plus de tutoriels comme celui-ci. Des tutoriels qui me prennent énormément de temps, notamment celui-ci, parce qu'il y a une quantité, comme je l'ai dit, d'accords inimaginables. Je sais pas ce qui... Michel, il en met partout. Et donc, si vous voulez plus de tutos, et ben fallait chercher le document. Et en plus, comme ça, vous aurez tous les accords et toutes les paroles. Il y en a plein. J'ai mis beaucoup de temps à faire attention à ce que tous les accords soient au bon endroit. Et tout. Allez, les moulins de mon cœur. Donc, on va commencer. Vous voyez, Fa mineur, c'est le premier accord. Alors, je ne les ai pas dessinés ici. En fait, j'ai écrit le doigté de chaque accord. Puisqu'il y en a tellement, c'est pas possible d'avoir tous ces différents dessins. Ça porte à confusion. Donc là, on a juste écrit, par exemple, 1, 0, 1, 3 pour Fa mineur. Parce qu'on a l'index sur la première case de la première corde, ensuite c'est ouvert sur la corde de Do, et ensuite on a le majeur sur la première case de la troisième corde, et ensuite le petit doigt sur la troisième case de la dernière corde ici. Hop, donc on a un Fa mineur. 1, 0, 1, 3, donc j'écris 1, 0, 1, 3. Et ensuite, B mineur c'est 3, 1, 1, 1, donc on a l'annulaire sur la troisième case de la première corde, et ensuite on a l'index, hop, sur les trois cordes, sur la première case. Ensuite, Fa mineur 7, c'est pareil que le Fa mineur, sauf qu'on rajoute le doigt qui était libre sur la troisième case de la corde où il n'y avait pas encore de doigt. Et ensuite, DB7, c'est juste 1, 1, 1, 2, donc il faut bien appuyer l'index, c'est pas facile, mais ça se fait. Et ensuite, retour au Fa mineur. Donc ça, cette introduction, c'est pas très important, c'est juste pour mettre l'ambiance, pour après quoi. Vous pouvez même faire un effet trémolo si vous voulez. DBM, FM7. DB7 et Fa mineur. D'ailleurs, dans toute la chanson, il n'y aura pas vraiment de rythme à la main droite, puisque c'est une chanson juste avec orchestre, puis un peu de piano, quoi. C'est juste... Et en fait, le rythme va venir de la parole, les moulins. Le moulin à parole, finalement, c'est le chanteur, pour parler du moulin de son cœur. On commence par un Fa mineur, donc, et on va commencer à chanter sur la corde de Do ouverte. Quand... Donc, la deuxième corde. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Fa mineur. Sur le comme. Comme une pierre que l'on... Et sur jette, on a le Fa mineur 7, 1, 3, 1, 3. Jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Et BBM 9, c'est comme un BBM qu'on a vu dans l'intro, mais avec le petit doigt sur la troisième case ici. D'un ruisseau et qui laisse... Ensuite, on retourne au BBM. C'est une sorte de retard, quoi. Dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Donc c'est 7, ouvert, ouvert, 1. Des milliers de ronds dans... Et sur l'eau, on a le Fa mineur 9, c'est-à-dire un Fa mineur avec un effet pour un retard.
et ensuite comme un sur ma neige, on a le FM7, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Alors tous les accords sont écrits dans la partition, mais là ici je pouvais pas tout écrire tout le temps. On continue comme un anneau de Saturne, et là le EB9 c'est intéressant, en fait c'est ouvert 3 1 4 pour aller au EB7. Il y a beaucoup d'enrichissement. Ça s'appelle comme ça, c'est quand on a des accords. En fait, on pourrait très bien jouer EB7 deux fois. Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Mais en fin de compte, on va rajouter ces effets et ces notes ajoutées. Comme un anneau de Saturne, comme un ballon de carnaval. ABM7, c'est ouvert 3-4-3. Moi, j'utilise mon index sur les troisièmes cases ici. Sauf sur la corde de sol, évidemment, et je rajoute mon majeur. Mais on peut très bien le jouer comme ça aussi, avec trois doigts. Et là, sur le AB7, on chante sur cette note-là, la première case. Et on joue 1, 3, 2, 3. Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Et là, DB6, c'est facile, c'est tout 1. Le voyage autour du monde d'un tournesol. Le tournesol, c'est sur la première case ici. Un tournesol dans sa fleur. Et ça, très important pour la tension, le dé diminué, c'est 1, 2, 1, 2. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Voilà, et une fois que vous avez ce couplet, ben vous avez pratiquement toute la chanson, puisqu'il y a, il y a 3 couplets et demi. Et en gros, si vous avez ça, vous avez la plupart du reste. Sauf à un moment, dans le troisième couplet, on va jeter un coup d'œil. Mais d'abord, je vais refaire le premier couplet en entier. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, tout sur le 1, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon FM cœur. Voilà, et la deuxième fois c'est pareil, comme un de chevaux de laine entre les mains d'un enfant. Bon, il y a des petits changements parce que l'arrangement en fait il varie tellement. Michel Legrand avec ses arrangements, il répète jamais deux fois la même chose, donc moi non plus dans le document. On va jeter un coup d'œil au troisième couplet, parce que c'est là que ça change pas mal. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, un oiseau tomba dans son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts comme... Et là, on chante un Fa, c'est la première case de la troisième corde. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie. Et là, on chante sur un Mi bémol. Comme les... troisième case, seconde corde. Comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. ABM7. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus. Et là, c'est ouvert, tout sur les 1. Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Et là, le tout dernier couplet, avec les mêmes accords qu'on a vu dans le premier vers. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de rondants. Et là, déjà, le DDM, dédim, l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Voilà, donc avec tout ça, vous avez de quoi chanter la très belle chanson Les moulins de mon cœur. Si vous voulez, vous pouvez rajouter, pas forcément du rythme dans la main droite, mais juste rejouer certains accords quand vous êtes au milieu. Par exemple, une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. C'est-à-dire, à votre feeling, en fait. Vous pouvez rejouer les accords, mais sans nécessairement donner une structure ou un format rythmique quoi, à chaque accord. Juste quelque chose d'assez libre. Et pour
En fait, simplement faire durer le son. Voilà, on va passer à recette pour un cake d'amour. Ça vient du film quand la dame qui joue la mère dans 8 femmes, elle joue une sorte de princesse avec une peau d'âne. Et le film s'appelle Peau d'âne. Voilà, je l'ai pas vu. Mais s'il est bien, faut me dire et je le regarderai. Voilà, c'est la seule chanson pour laquelle j'ai dessiné les accords, parce que finalement il n'y en a pas tant que ça par rapport aux autres. Et donc on commence par GM7. Bon, ceux-là je les ai pas dessinés. GM7 c'est 0-2-2-2, AM7. En fait, on fait comme un G mineur, comme un Sol mineur, c'est-à-dire cette forme-là, 0-2-3-1, mais ça va être plus haut, ça va être ici. Et ensuite on décale de deux cases, décale de deux cases pour redescendre, et on retourne au GM7. Voilà. Et ça, c'est l'intro, et tout va être joué avec ba, 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 ba. Cette fois, il y a un rythme, c'est ba, 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 ba. Et on joue l'intro deux fois, si on a envie. Et là, il y a écrit sur le couplet, préparez votre pâte, c'est important si on cuisine. Et bien, on va jouer C2, c'est-à-dire deuxième case de la corde de C, E0, c'est-à-dire corde de mi ouverte, et ensuite E2, deuxième case de la corde de mi, et au-dessus de ça, on va chanter préparez votre pâte, la mélodie. Donc ça fait comme ça, on va avoir le ukulélé et la voix à la tierce à ce moment-là. Ça revient tout le temps, puisqu'en fait, il y a pratiquement, enfin c'est même pas pratiquement, il y a tout le temps les deux mêmes couplets. Donc si on en apprend un petit peu dans cette chanson, on a tout le reste, toute la recette. Préparez votre pâte. Et là encore, dans une jatte plate et sans plus. Donc là, il faut juste remarquer où tombent les accords. Et à chaque fois qu'il y a un accord décrit, il y a ploum, ploum, ploum. Vous voyez ? Donc sur la deuxième ligne, dans une jatte plate et sans plus. Et là, BM7, ça va être toutes les deuxièmes cases, 2-10. Et là, E7, cours, allumez votre four. Ouf, donc là, il se passe pas mal de choses avec les accords. En fait, il faut écouter la voix, il y a beaucoup de demi-tons. Donc lentement, ça fait comme ça. Et sans plus, 2-10, c'est pas 2-10, c'est 2-10, allumez. Et là, sur le EB7, votre, il y a encore un, allumez votre. AB majeur 7, allumez votre four. Mais ça, pour vraiment l'apprendre, il suffit d'aller écouter Madame Deneuve, qui le chante très bien dans sa robe de princesse. Je vous le refais lentement. Dans une jatte plate et sans plus de discours, allumez votre four. Et ensuite, on refait l'intro. Et je vous fais le deuxième couplet, qu'on va appeler couplet B. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de voir, c'est les accords couplet A. Et ensuite, voilà. Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains bien pesées. Et là, on descend vraiment. Quatre mains bien, pas bien pesées, mais bien pesées, autour d'un puits creux. GM7, autour d'un C6, puits creux, D7, G. Et ensuite, par exemple, ici, le deuxième couplet, on va avoir les mêmes accords qu'on a eu au début. Je vous la fais. Choisissez quatre frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Et intro. Ba, 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 ba. Et voilà, avec ça, vous avez toute la chanson. Et je pense que de celle-ci, je vais faire une petite reprise sur ma chaîne. Parce que je crois que personne, sinon, va la chanter. C'est une recette pour un cake. Ah, les parapluies de Cherbourg. Attention, alors, faut sortir les mouchoirs, là, parce que c'est intense. On commence par un C mineur, il n'y a pas d'introduction, donc c'est ouvert 3-3-3. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à chaque fois qu'on commence, en fait, il y a cette mélodie qui fait... Et en fait, là, on est par exemple en C mineur,
et on commence sur le fa dièse. Fa dièse sol, c'est-à-dire deuxième case, troisième case de la corde de mi. Allez, on commence. Non, je... Et sur le ne. Ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Donc là, il faut juste faire attention où tombent les accords. Il y en a beaucoup. Il faut un peu travailler les transitions. Ce qui est intéressant et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, quand on arrive à « Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai », on ne fait pas « J'en mourrai, G7 ». Il y a un accord de transition entre le EB et le G7, c'est « J'en mourrai, je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas ». Et là, on a, si on veut faire une transition entre elle, la partie de Catherine et la partie de Guy, je sais pas son vrai nom, on peut faire CM6, D7, G7. Tu sais bien que ce n'est... C'est vachement triste en plus, ce moment, en fait. Ce n'est pas possible. Et là, elle chante sur la même note. Je ne te quitterai pas. Et lui continue. Mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi. Mais je sais que toi, tu m'attendras. C'est sympa ce passage. Mais je sais que toi, tu m'attendras. Donc ça, c'est toute la première partie de la mélodie des Parapluies de Cherbourg. Mais ce qui est intéressant dans cette chanson, entre autres, hein, parce qu'il y a plein de choses qui valent le détour, c'est que on va monter la chanson d'un cran à chaque fois pour augmenter la tension. C'est l'idée de Michel. C'est pour ça qu'on va, ça s'appelle moduler, on va tous chanter un tout petit peu plus haut, à peu près à chaque deux couplets. Ça veut dire que c'est très difficile pour les accords, faut les bosser, mais c'est ce qui crée cette apothéose dramatique à la fin, quoi. Et là, en fait, on était en Do mineur, donc on a monté Do dièse mineur, et on fait... deux ans de notre vie. Donc tous les accords changent, on joue tout un demi-ton au-dessus. Ne pleure pas, je t'en supplie. Et ensuite, Catherine... Deux ans, je ne pourrais pas. Ah, là, ça change, en fait, il va chanter... Calme-toi, il ne nous reste si peu de temps. EM7. Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Et ensuite, on a un D dièse mineur 6, G dièse 7. Et ensuite, il chante quelque chose de complètement différent, le gars. Il fait... Il chante sur un C ici, troisième case. Il faut essayer, G mineur, d'être heureux. D mineur. Il faut que nous gardions nos derniers moments. Ces dièses diminuées. Un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. Très important, le 6-7, c'est le retard. Vivre. Et maintenant j'ai tellement... La même mélodie, c'est le thème, mais en Ré mineur. Do dièse, Ré mineur. DM. J'ai tellement peur quand je suis seul. Et lui chante. Nous nous retrouverons. Et elle chante. Tu connaîtras d'autres femmes, tu m'oublieras. Et lui, mais non, il dit, ben non. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, c'est, je crois, le moment le plus important. Guy, je t'aime. C'est ces notes-là. Guy, je t'aime. Corde ouverte, la dernière, et un Ré. Guy, je t'aime. GM6. Ne me quitte pas. Et là encore une modulation. La tension augmente encore et c'est la dernière. Maintenant, on monte encore d'un demi-cran, un demi-cran, un demi-cran, un demi-ton. Oui, c'est ça. On est en mi bémol mineur et la mélodie, elle commence avant la voix. Donc en fait, il se passe... Donc, ouvert, première case. Mon amour. Sur la même note, là. Mon amour ne me laisse pas. Et lui chante.
Viens, mon amour. Et là, c'est la fin. Il y a le vélo, il y a lui, il y a elle. Et je crois qu'il monte dans son appartement. Je vais vous jouer la transition à partir du Guy, je t'aime. Alors, si c'est pas facile pour vous, vous inquiétez pas, c'est pas facile pour moi non plus. Guy, je t'aime, ne me quitte pas. Mon amour, ne me laisse pas. Viens, viens, mon amour. Et là, c'est la fin. Ouf, c'est intense, hein. Mais c'est pas seulement les accords, c'est la situation aussi de ce très beau couple. Et maintenant, la dernière chanson, la chanson des jumelles. Au fait, juste pour dire que tous les accords sont dans la partition et ils sont écrits tout le temps, hein, où c'est nécessaire, même où les accords se répètent. J'ai remis souvent le doigté pour simplifier la tâche un petit peu. Voilà, donc la chanson des jumelles, on est en mi majeur. Et on module heureusement pas autant que dans la chanson qu'on vient de voir, à Cherbourg. À Rochefort, on reste en mi, même s'il y a beaucoup d'accords. Et ce qui est intéressant, bon, d'abord l'intro, E. FM7, parce que là ils discutent. Ah tiens, tu manges où ce midi? Ben à 1 heure, j'ai rendez-vous. Oh, des forains. Voilà, B7. Et ensuite ça commence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait il y a une. Ça s'appelle une marche harmonique, c'est-à-dire qu'on va faire les mêmes doigtés mais décalés. Ici on va faire un peu comme si on avait 0, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, et on décale tout. 0, 2, 0, 2. 0, 1, 0, 0. Mais en fait, c'est 4, 6, 4, 6, 4, 6. Ensuite, 4, 5, 4, 4. Et ensuite, 2, 4, 2, 4. Et ensuite, 2, 3, 2, 3. C'est-à-dire G dièse 7 ou G mineur 7. Ah tiens, on peut faire les deux, en fait. Bon, bref, on va faire mineur 7, là. Et pour trouver la mélodie du début, ça, c'est vachement important, parce que sinon, c'est pas évident. Il faut jouer deuxième case, quatrième case, cinquième case, deuxième case. Nous sommes des sœurs, nous sommes des sœurs. Et on commence sur le G dièse 7 mineur. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous, et on décale, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol ré do. Et on retourne en haut. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol ré do. Donc ça, c'est le début, et le rythme de la chanson, ça va être... Donc lentement, c'est comme ça. Et en fait, on va lever les doigts pour étouffer les cordes sur chaque second et quatrième temps. Nous sommes des sœurs, nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Ah, et là on va arriver en mi, c'est-à-dire nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailler vaillamment. Et là. Sur un la, elle voulait de nous faire des érudites. Ah, vous reconnaissez ces accords? C'est les deux premiers qu'on avait. C dièse mineur 6. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Là, c'est pas forcément évident, faut juste faire attention où tombent les accords. Ah, ça, je l'ai pas dit, mais c'est important. Ce qui compte, c'est pas là où tombent les doigtés par rapport aux paroles. Les doigtés, je les écris juste après l'accord. Ce qui est important, c'est où tombe l'accord. Par exemple, sur « Elle voulait de nous ».« Elle voulait de ». Et sur « Nous ».« Nous faire des érus ». La GM7 sur « Dit ». C'est « Dièse 7 sur « Te ». Et pour ce l'avant sur « Dit ».« Dit ». G dièse mineur. « Toute sa vie des frites ». B7. Et on continue. Je vais vous jouer un petit peu le couplet pour vous donner une idée. Nous sommes toutes nées de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou.
d'un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Sauf que là, il y a un refrain. Et le refrain, pour le trouver, nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, tout ça, tout ça. Tiens, je vais vous chanter un petit peu du dernier couplet. Je m'enseigne. On commence sur cette note, la deuxième case de la dernière corde. Et ensuite, on chante la même note, mais une octave au-dessus. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. C'est Solange qui parle. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je sais plus où j'en suis. Ouf. Écoutez, je sais plus où j'en suis, parce que 4 chansons de Michel Legrand, de les expliquer, eh ben, c'est pas évident. Mais je vais essayer quand même. Allez, je finis le couplet. Je vais y arriver. Je n'enseignerai pas toute ma... Ben non, je sais plus. Qu'est-ce que je suis censé faire, là? Faut me dire. Ok. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas? Alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Et ensuite on chante. Nous sommes mes sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Ré mi fa quelque chose, je sais plus, je suis un peu plus. Moi j'ai tout donné. J'espère que ça vous aidera à chanter ces très belles chansons. Surtout ce qui vous aidera, c'est le document, parce qu'il y a tellement d'accords et tellement de paroles que ça sera pas mal de l'avoir sous les yeux, et ces 4 belles chansons de Michel Legrand, qui nous a quittés cette année, une petite pensée. Il est en train de jouer plein d'accords, mais ailleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que c'est pas trop fatigant pour vous, et que vous avez encore plein d'énergie pour les apprendre, ces belles chansons. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, et puis merci beaucoup pour votre soutien si vous allez cliquer sur le lien dans la description. À très bientôt pour plus de tutoriels avec... Et c'est sûr, avec jamais autant d'accords que dans cette vidéo. Impossible. Impossible.